good blaster, the right crew, and no job's too big. Communauté de Battlefront et bienvenue sur Battlefront FR. Aujourd'hui, une nouvelle vidéo de Star Wars Battlefront 2 et nous avons eu notre premier aperçu de la partie 2 de la saison 2 de Han Solo. Vous l'avez vu dans le trailer au début de la nouvelle vidéo, Kessel est la toute nouvelle map qui arrive sur Star Wars Battlefront 2 très bientôt, car cette partie 2 sort le 12 juin, donc dans moins d'une semaine gratuitement pour tout le monde. Je ne pense pas qu'il y a une analyse nécessaire à être faite sur ce trailer. On voit très bien l'entrée de Kessel où le Faucon Millennium attend. On voit différents tunnels de Kessel exactement comme dans le film. Donc c'est vraiment une map qui va être beaucoup en intérieur avec beaucoup de tunnels. Donc plusieurs routes différentes pour atteindre les objectifs. Car en effet, les objectifs, il y a le tout nouveau mode convoi qui est de retour dans Star Wars Battlefront 2. Un mode que moi j'adore, donc je suis très content de le retrouver. Nous pouvons aussi apercevoir dans le trailer les nouveaux skins des héros, donc on parle ici de Han Solo, de Lando et Chewbacca bien sûr parce que c'est bien sûr basé sur les principaux personnages du film. Seul truc vraiment étrange, c'est le Faucon Millennium qui est en arrière à attendre, ou dirait celui de base de Solo et non celui de Lando qui est dans le film. Bizarre, mais bon, quand même, on va passer maintenant à toutes les informations précises que l'on a eues dans la transmission de la communauté et attendez-vous à une autre vidéo un peu plus tard qui va vous parler de tous les changements de la prochaine mise à jour qu'ils ont fait. Très très important changement d'ailleurs. Bref, allons-y. Dans cette transmission, il parle premièrement de Kessel, la planète minière pour des ressources très précieuses que l'on peut apercevoir dans le film. Et Kessel sera disponible dans le mode arcade, dans le mode escarmouche, dans le mode confrontation héroïque, héros versus vilain, et finalement dans convoi. Parlant du mode convoi, voici un petit résumé de ce qui se passe avec ce mode en termes d'histoire. Les rebelles ont localisé un chargement appartenant à l'Empire et doivent escorter celui-ci jusqu'à leur navire de transport. Malheureusement pour les rebelles, l'Empire a appris leur plan et a entrepris de les arrêter en déployant leurs propres soldats. La victoire se produit quand les rebelles s'échappent avec l'expédition, donc le convoi, quand le temps s'arrête, ce qui voudrait dire que l'Empire aura gagné. Le mode qu'on voit sur Kessel offre un vrai moment de teamplay orienté sur l'expérience et le gameplay qui prend place dans des corridors très très serrés, plein de petits corridors qui vont être très intenses dans les mines de Kessel. Jusqu'au moment d'arriver à la sortie, à l'endroit très ouvert à l'extérieur de Kessel. Donc ça va être très intéressant de voir les deux gameplays qui changent dans ce mode. Petite note de côté, si vous êtes allié play, ce que moi je ne serai pas malheureusement, le mode convoi sera disponible sur place pour jouer, donc si vous voulez le tester en avance, vous allez pouvoir le faire. On continue la transmission de la communauté avec les apparences, donc bien sûr il y a 4 nouveaux skins légendaires qui arrivent en jeu basés sur les personnages principaux du film Solo A Star Wars Story. Han Solo, bien sûr, aura 2 skins légendaires, celui de Corellia et celui de l'équipe de Beckett. Lando aura lui aussi 2 skins légendaires, le professionnel sportsman et le raconteur. Finalement, comme il avait été annoncé dans le dernier leak, nous avons aussi un skin épique qui arrive pour Chewbacca avec les lunettes quand ils font l'attaque sur le train dans le film. De plus, nous avons aussi le skin pour le Faucon Millennium de Lando, donc celui qui provient du film,
qui aura aussi ses propres habilités, l'habilité pour aller plus vite, l'habilité qui permettra de repérer les ennemis et de faire plus de dégâts à ceux qui ont été repérés, et finalement de faire plus de dégâts avec l'arme de base. À la demande générale de la communauté après l'amélioration des menus qui a eu lieu en mai, eh bien les hologrammes ont été ôtés aussi en réapparissant donc dans le menu de réapparition en partie et aussi dans le menu de MVP en fin de partie. Donc ça c'est vraiment cool, les tout nouveaux menus se sont pas mal en fait transférés dans tout le jeu maintenant. Il y a tellement eu de bons commentaires à propos de ces menus et de comment on pouvait apercevoir les différents personnages du jeu. Ils ont aussi ajouté l'option de pouvoir inspecter les modèles, donc de pouvoir les faire tourner sur place, de se rapprocher, de voir un peu à quoi ils ressemblent plus proche, plus loin. Donc on pourra vraiment jouer avec les différents personnages pour voir vraiment un meilleur aperçu de ceux-ci. Ce qui nous permettra particulièrement de voir le skin qu'on pourrait acheter au complet, bien sûr. Donc ça, c'est une bonne petite fonctionnalité pour les menus. Hey, cargaison jetpack, ça fait longtemps qu'on n'en a pas entendu parler. Eh bien, vous devez savoir qu'ils ont aussi ajouté quelques petits changements dans ce mode qui vont le rendre bien meilleur. Premièrement, un timer. Donc, il y aura des parties de 6 minutes maximum en cargaison jetpack pour ne pas rendre les parties infini. Ils ont aussi modifié un peu l'affichage avec justement le temps et le score que l'on peut voir sur l'écran. Et finalement, ils ont remarqué que BSP n'était pas la map parfaite pour le mode, ce qui était tout à fait vrai. Du coup, ils l'ont remplacé par Yavin 4, ce qui devrait être très intéressant dans ce mode de jeu. On verra, on la testera bien sûr quand Jetpack sera de retour, je ne sais pas quand. Les défis de carrière qui sont limités par le temps, donc les défis quotidiens, vont apparaître sur l'écran principal du menu, en bas à côté de l'ouverture des caisses. Ils seront aussi toujours dans la catégorie des carrières, mais ça nous permettra de les apercevoir beaucoup plus facilement et de les suivre beaucoup plus facilement pour la communauté. Finalement, la transmission de la communauté se termine en disant que AliePlay du 9 au 11 juin, donc très très bientôt dans les prochains jours, vous allez pouvoir expérimenter le mode convoi sur Kessel. Mais bien sûr, ce n'est pas tout, l'équipe a commencé à travailler là-dessus. Et donc, à l'IEPLAY, on peut s'attendre à plusieurs nouveautés qui soient annoncées. Ne manquez pas ça. Donc voilà, c'était la transmission de la communauté avec pas mal toutes les nouveautés qui arrivent le 12 juin avec la partie 2. Et pour parler de la dernière partie de cette transmission, Ben Walk a dit de son propre côté qu'il y a une raison pourquoi nous parlons de ces nouveautés maintenant et non à l'IEPLAY. C'est hyper intéressant, bien sûr, ça veut clairement nous dire que voilà, on a annoncé la partie 2 de la saison 2, comme ça vous l'aurez, c'est fait. Mais l'IEPLAY, qui est une énorme conférence pour nous, et bien boum, on pourra annoncer quelque chose de bien plus gros. Et ça, j'ai très très hâte de voir de quoi il parle ici. Sentez-vous le petit Clone Wars, les gens? Moi, oui. Bref, voilà, c'est tout pour cette vidéo avec les nouveautés qui arrivent dans la partie 2. Attention, ce n'est pas tout, il y a plusieurs changements qui arrivent dans la prochaine mise à jour parce que oui, il y a du nouveau contenu, mais il y a aussi une nouvelle mise à jour qui va changer bien des choses. Donc je fais ça dans la prochaine vidéo, ne manquez pas ça. On a des changements au niveau du sniper, au niveau de certaines blasters, bref, vous allez voir, c'est énorme. Donc laissez un beau gros like, un commentaire, abonnez-vous, et comme toujours, que la force soit avec vous. Ciao tout le monde.